Bonjour, monsieur. Bonjour. Elena, c'est ça, hein? Oui. D'accord. Ça va pas, monsieur? Bon, ça va, c'est juste que je viens de revoir avec ma copine et elle s'appelait aussi Elena. Mais c'est pas grave, c'est pas grave, excusez-moi. Non, mais vous comprenez pas, on était comme ça, là, vraiment. La route, comme... la route, monsieur. D'abord, commencer pêche, puis pastèque, puis on a fini sur cerise. Sur cerise, à qui ça arrive, ça, hein? Puis un temps raisin aussi, hein, ça, bon, il faut un petit peu, quoi, hein. Vous connaissez Fruits? L'application de rencontre? C'est là qu'on s'est rencontrés. Ah, d'accord. Le concept est très simple, hein. Vous êtes un fruit différent en fonction de votre envie, quoi. Donc, une cerise pour une relation à long terme, hein. Une pêche pour un coup d'un soir, voilà. Ça ressemble à ça, regardez. À vous-même. Vous savez quoi? Je pense que vous devez vous remettre dans le bain tout de suite. Ah bon? Mais oui, faut rebondir. De ce que je vois, là, vous êtes une bonne poire. Pardon? Non, un kiwi. Je suis acide. Non. Vous êtes exotique. Vous savez être piquant et doux à la fois. D'accord, ok. Ah, mais vous avez un match, là? Répondez. Ok, alors qu'est-ce qu'on met comme question pour commencer la converse? Est-ce que t'aimes les kiwis? Ok, donc plutôt film ou série, alors? Oui, c'est bien, ça, c'est très bien, allez-y. Ça va marcher, évidemment. Merci beaucoup, j'espère. Ah, je suis arrivée, moi. Oui, faites bon voyage, hein. Merci. Et, kiwi? Ouais? N'oubliez pas qu'un jour, une pêche peut se transformer en cerise. Merci pour tout. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et si vous allez bien, mais allez vous abonner, c'est super important. Mais oui. Aujourd'hui, je vais vous parler d'Uber, l'entreprise qui a changé notre manière de nous déplacer. Revenons ensemble sur ces quelques moments qui ont changé le monde. Uber. Dans un monde où on tente d'aller sur Mars à plus de 76 millions de kilomètres de la Terre, nous avons décidé de travailler très dur pour que vous n'ayez plus à quitter votre salon et que vous fassiez le moins d'efforts possible. Pourquoi ? Parce que nous fermons les yeux sur l'épidémie d'obésité mondiale. Comment ? Juste comme ça. Uber est là pour vous. Vous voulez manger ? Nous venons à vous. Vous devez aller chercher votre courrier ? Nous venons à vous. Vous voulez vous déplacer à vélo ? Nous venons toujours à vous. Vous voulez pédaler ? Arrêtez vos conneries. Uber, se bouger le cul ? Plus jamais. Changer le monde. Non mais va dire ça au gars qui livre sur son vélo à 23h, par soir de tempête. Un McDo déjà tiédasse depuis 15 minutes, parce qu'il n'arrive pas à trouver ce foutu numéro 47B. Oui, je suis devant le 49D. À gauche, allez, à votre gauche ou à ma gauche? Vous me rejoignez dans le hall? Hein? Oui, se bouger le cul, plus jamais, j'ai vu la pub, merci. Le lancement de l'application Uber se fait en 2009 à San Francisco par Travis Galanick et Garrett Camp. Mais l'idée aurait été trouvée un an plus tôt. Et sur le site d'Uber, ils expliquent comment. Et comme toute grande entreprise californienne, bah, il fallait que l'anecdote soit belle. Oh oui, elle l'est. Ambiance, s'il vous plaît. Un soir de décembre très enneigé, Travis et moi n'arrivions pas à trouver un taxi. Il faisait froid, très froid. J'ai froid, Garrett. Je sais, Travis. Je veux rentrer en Californie, Garrett. Moi aussi, Travis. J'ai perdu un bouton, Garrett. Un bouton? Un bouton? Mais oui, si on pouvait commander un taxi en appuyant juste sur un bouton. Mais c'est révolutionnaire, Garrett! Mais oui, Travis! Et on mettrait des bouteilles d'eau dans chaque voiture! Et des bonbons aussi! Et les gens pourraient suivre leur trajet en direct! Hé! Hey. Hé? J'ai vomi, Garrett. Tout un peu de notre gueule avec cette histoire, hein. Le 5 juillet 2010 est commandée la première course Uber à San Francisco. Alors évidemment, au fil des années, ils se sont étendus, hein, et donc maintenant, ils sont présents dans 63 pays, 700 villes, et ils ont dépassé les 5 milliards de courses. Et on compte aussi 3 millions de chauffeurs Uber dans le monde. 3 millions de chauffeurs, c'est beaucoup, hein. Si on réfléchit, ça fait 3 millions de personnalités différentes. Et pourtant, t'as vu, on est capable d'établir des catégories de chauffeurs. Vous n'oubliez pas de me mettre 5 étoiles, hein. 5 étoiles, c'est important. Fait beau, hein? 5 étoiles! Il fait quoi, les gars, devant, là? 5 étoiles! Ok. Ouais, non, mais con, j'ai dit, genre, ouvre ton entreprise! Monsieur? Ouais? On a dépassé mon adresse, là. Ouais, non, mais l'itinéraire a changé, on va chez ma tante, bah, vous ferez le reste à pied, du coup. Pardon? Vous avez des beaux yeux, hein. Bon, alors, on va en vacances cet été. Bon, ça suffit, là. Bah, si ça te convient pas, t'as qu'à son épée, hein? J'ai dit non, il me faut ce diplôme, tu vois, je laisserai pas, je suis quelqu'un d'assez insistant, tu vois, parce que si je lâche sur ça, je lâche sur autre chose, j'ai pas envie de lâcher sur autre chose, comment? Parce que si je lâche sur ça, je lâche sur autre chose, après, ou pas, ou là, 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 ou là,
Alors, en parlant de service, au début, Uber faisait uniquement du transport de personnes en voiture noire et leurs courses coûtaient plus cher que celles des taxis. C'est en 2012, quand Lyft, leur concurrent, est arrivé sur le marché, que Uber a alors créé l'équivalent de UberX avec des prix beaucoup plus démocratiques. C'est donc aussi à ce moment-là qu'il est rentré directement en concurrence dite déloyale avec les chauffeurs de taxi. Alors ça, on en a beaucoup entendu parler. Hein. Moi, je vais prendre un exemple très parlant pour que ce soit clair. À New York, on connaît tous les fameux taxis jaunes, emblèmes de la ville. Eh bien, il n'y en a pas un nombre infini. La ville contrôle le nombre de chauffeurs qui doivent acheter une licence pour devenir chauffeur de taxi. Une licence qui coûtait en 2013 $1 million. Puis Uber est arrivé, sans licence. Demain, si t'as envie, tu peux devenir chauffeur Uber. Résultat, aujourd'hui, il y a 13 000 taxis new-yorkais et 80 000 voitures Uber, Lyft, etc. Autre conséquence, c'est que la licence pour avoir un taxi new-yorkais, elle est passée de $1 million à $150 000. Ah, le mec qu'il a acheté en 2013, il a une haine, je vous dis pas. Parce que non seulement la licence a perdu de sa valeur, mais en plus, le gars a moins de courses pour rembourser ses crédits. Vous avez compris, si vous êtes américain et que vous avez un pote qui s'appelle Uber, ne l'appelez pas dans un taxi. Yes, Uber? Ah, mais vous vous faites tabasser par le taximan, hein? Bah, ils sont comme ça, les gars aussi, vous êtes marrants, vous. Alors, comme je vous l'ai dit, Uber, première course en 2010, et pourtant, jusqu'à aujourd'hui, malgré de gros chiffres d'affaires, 11,3 milliards en 2018, eh bien, la marque n'a jusqu'ici pas fait de bénéfices. Elle est en perte. Un peu plus de 4 milliards en 2017, et un peu plus de 3 milliards en 2018. Alors, comment ils rassurent leurs investisseurs? Un des arguments, c'est assez fort, hein, c'est qu'ils leur disent « Oui, mais nous, on est un petit peu l'Amazon du transport. Et Amazon non plus, il a pas fait de bénéfices les 8 premières années. C'est tout ? C'est tout. C'est ça votre argument. C'est quel genre d'investisseurs qu'ils ont Uber ? Parce qu'on voudrait tous les mêmes, je crois. Alors pourquoi Uber n'est pas rentable ? Premièrement, Uber doit payer ses conducteurs, qui en plus maintenant se plaignent de ne pas être payés assez. Et c'est normal. En plus de ça, comme toutes les transactions se font par carte bancaire, ils doivent à chaque fois payer des frais de transaction. Il y a aussi les incentives des conducteurs. Et évidemment, Uber dépense beaucoup en communication pour attirer toujours plus de nouveaux clients. Autre investissement, les voitures autonomes. Et là, c'est un gros investissement. Et ces investissements, en plus à court terme, ils ont une rentabilité très faible. En fait, les analystes qui disent que Uber va être rentable un jour, et les prévisions disent pas avant 5 ans minimum, pensent que c'est justement le marché de la voiture autonome qui va sortir Uber du rouge. Pourquoi ? Bah tout simplement parce qu'il n'y a pas de chauffeur à payer. Les investisseurs, ils partent du principe que dans quelques années, les gens ne posséderont plus leur propre voiture. Et qu'ils utiliseront exclusivement Uber ou Lyft pour se déplacer. En gros, ils misent sur le fait qu'il y aura un switch dans notre manière de se déplacer. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire. Ça m'aide beaucoup de lire vos avis, donc n'hésitez pas. N'oublions pas aussi le petit like, évidemment. Et on se quitte avec la phrase du jour, que j'ai oubliée dans ma dernière vidéo d'ailleurs. Technology is best when it brings people together. Just Elena. Matt Mullenweg, en fait. À très vite.